On a parlé à la moun tigouaf qui problème. Mais dans le même moment, on a parlé à la moun tigouaf commence à ramasser problème yo. Moun tigouaf va kembe yon chef de gang qui pratiquement c'est yon 16 qui débarque dans tigouaf. Ti monsieur, c'est 3 zombies yon kal envahi zone ça. Dans l'idée pour capable prendre contrôle espace là. Et bien, population avec la police, plus ce groupe résistance là, la guerre derrière monsieur yo, yon finalement kembe yon rento. Yon toro qui pratiquement c'est monsieur qui baille détail. C'est monsieur qui explique c'est au 16 gandan. C'est monsieur qui explique quantité bagaille qui a fait. C'est même monsieur qui baille un paquet d'informations de Diaz là. Et bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le moment bagaille là extrêmement difficile pour moun tigouave. Et moun tigouave commence à manger les oreilles nèg. Toro ça, li explique dans tête base là, gen yon nan nèg yo qui rele Fende. C'est Fende même oui, donc qui pratiquement, donc a dirigé équipe là. Nèg yo a manche long, nèg yo a manche kout, nèg yo a fè l'obèy, nèg yo a essayé montrer que yo même yo gen plus capacité pour faire un paquet de bagay. Mes frères et sœurs et amis, mwen gen pile information que mwen ta dwe ba ou dans moment là, c'est information qui capable vraiment faire sentir douleur. Qui ça cap passer dans la coupe pays d'Haïti? Mwen gen image là d'un jeune artiste tout ça vidéo monsieur prend la rue côté monsieur tap fait zonyon pour madame ni ça rele les zon c'est les nèg la antenne et puis il l'a fait si avec le gli l'a passé dans Bastenguel là donc l'elle passé dans Bastenguel là donc c'est là donc c'est ça y aurait les zonyon a dit ça rele 14 dichet. Eh bien, monsieur pratiquement lagué dans la plateforme dans tout. Ce n'est pas des discussions, ce n'est pas des lobbies qui gagnent. Je ne vais pas quitter toute vidéo. Même si je quitte un petit bout là-dedans quand même. Sincèrement, mesdames, mademoiselles et messieurs, mes frères et sœurs amis, lisons évidence totale et capitale pour que je fasse part de certaines informations qui ont dominé l'actualité dans la coupe Port-au-Prince. Sur le plan politique, qui s'est passé? Gros escombrite pété dans le moment de parler là. Entre mes frères et sœurs amis, même CBTO, avec M. Gary Kony, chaque nègre gombagay a réglé, chaque nègre gombagay personnel qui a fait, chaque nègre a essayé, jouer pion yo, mettez pays à la plus difficulté. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Maman Pemba, j'ai pas contre l'envoi, yo relèm FSU Haïti, souble les noms, relèm mettre information, nous bâti. La voix, le son, les images, vous pouvez les retrouver partout. Mais si vous recherchez les bonnes qualités, il vous suffit de taper FS News Haïti. Sur YouTube et sur Facebook, nous sommes présents 24/24 pour vous informer. Abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe à travers le monde. FS News Haïti, c'est là où la complicité se joue pour atteindre le paroxysme du savoir-faire. J'ai quand même commencé à expliquer là, mesdames, mademoiselles et messieurs, mon tigouave va commencer à mettre la patte sous plusieurs chefs de gang qui ont même eu 16 été débarqués dans la ville tigouave dans l'idée pour capable de prendre contrôle à zone si là. Et mais mesdames, mademoiselles et messieurs, ça fait 3 jours côté que les gens ont bataillé pour prendre contrôle de la ville tigouave. Bagay, ça a été pratiquement mettre en pile qui sauté par bon côté pour nous cap à évoluer dans l'espace là. Eh bien, groupe auto-défense, groupe la police, toute quantité personnelle, yo assure yo que yo a débarqué pour y aller manger les oreilles bandi. Et bien, c'est dans le même moment ça. Donc, yo finalement, kembe yon jeune garçon, c'est monsieur qui prend le sou kap explique dans deux petits bouts de vidéo à qui ça yo te vin fait tigouave, yo combien de tigouave, mais quantité zam qui yo gagne, tout ça, li gon gros, li te gon 9 mm nan mel, et son policier que monsieur te tué, donc pour te gagne 9 mm ça. C'est pas des paroles, c'est pas des causes, non, kap di, c'est pas des bagay kap fait, non, mes frères et sœurs amis. Li sont évident. Nous gagnons information, nous gagnons détail. Bonjour et bonsoir. En nous t'aider, m'a venir. Où est-ce que Ronaldo? Ronaldo, Marty. Qu'est-ce que tu veux dans le monde? Marty. Comment est-ce Fende. Fende? Qui est-ce que tu veux? Fende. Fende. Eh, bonjour. Qui va nous tuer, policier? Ok. Combien de motos nous volons déjà? Vous volez moto? Combien de monde vous avez déjà? Un seul. Un seul monde? Oui. Qui est-ce? Moi-même, un seul là, c'est le policier. C'est le policier vous avez? Quoi de zame? Éric de Bémissé. Éric de Bémissé. Éric de Bémissé. Éric de Bémissé. Comment vous avez-vous? Fende. Fende qui ça? Méviel. Eh oui. Pourquoi ça vous prend zame? Au côté du matin, vous avez zame jeté? Vous avez zame parce que... Parce que je suis Regardez-nous.
combien de monde qui est dans la gang Boissier? Combien de monde qui est dans la base là? 16. 16 monde qui est dans la base là? Regardez. 16 monde, 16 volets. Il y a un marché qui est dans la base là. Qui est dans la base là? Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, Fende? Qui est dans la base là? Non, mais Fende, oui. Non, mais Fende, oui. Ronaldo, qui mission tu as pour ici là? Je ne sais pas si tu es là. Dis-nous comment le chef qui a opéré avec nous est-il? Mais Vielfender, côté l'été? En haut, la boîte apostolique. Boîte apostolique, là, ok. Lycée Montigouave? Oui, Montigouave. Ok. Il n'y a pas de problème. Merci pour l'information et je souhaite continuer à coopérer avec la mairie et la police pour être capable d'aider nous joindre vraiment le réseau et déchouquer le réseau dans Montigouave. Ou dit Mouizoua li chita dans toute zone Tigouave. D'accord. Jacques, on te commencé tant d'y aller, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est que ça bagaille là, pratiquement yé. Et c'est un bagaille extrêmement difficile, mais l'essentiel. Donc, il faut que nous te baou information yo. N'a pas demandé moun Tigouave, campé dang, campé king, pas courir pour bandi, marcher pour bandi, jusqu'à ce que, donc, ça ne va pas après yo. Yo courir yo fait voile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, qu'est-ce que là? L'autre information en entrée dans ça qui est passé dans mitan Atisa que tout le monde connaît sous nom 14 Dichet, monsieur qui pratiquement dans grosse combrite avec madame Li, et bien gros problème que dans yoté gagné, et bon y vidéo qui tourne sur tout internet là, et vidéo ça a li ta pratiquement porté en pile difficulté babo côté Atisa. C'est pas des causes qui a parlé non là mesdames, mademoiselles et messieurs. Atisa bat madame Li et vidéo côté que monsieur t'a pas niché sous ces bastingual là. Donc madame de la grille là oui bon même bon même parce que bon parce que ça aurait été de manière personnelle donc madame de s'il publier elle s'est montré le montrer qu'elle pas intéressé à plus encore donc m'a dit tout pour mon faire ou pas et puisque l'amour sont question de sentiments sont ressentis sont voulait partager peut-être que moi même m'a faire et peut-être que m'a m'il doit pas jamais faire mais parce que artiste là. Donc li gagné la vie pour prendre la parole quand même donc pour l'excuser auprès de gens que il t'a maltraité fiant on va quitter dans 15 secondes chao ça la bien senti à cette vidéo colou gagné pour calaguer pour pas rien au son libre à calamber senti qu'a goma mon cher j'ai la voix il filme je comme moi il filme je comme il va le comme moi. En tout cas, mesdames, mademoiselles et messieurs, donc, c'est comme ça que la lié en dans un pays d'Haïti. Et qui ça a passé sous cette politique-là? C'est pas des causes qui a fait en dans cette politique-là. Tout de suite après que diverses personnalités dans les droits humains ont décidé de choisir représentant Payo dans le CPA, M. Gédéon Jean, donc, qui s'est pris à un conseil électoral, eh bien, M. Gédéon Jean, dans le moment où on a parlé là, donc, ses représentants, mais tout. Donc, il y a un gros problème en mi-temps, mais c'est CPTO, à Gary Kony qui part dans ces mêmes danses, qui va sous le même bateau, parce que Gary Kony a une vision, CPTO a une vision pâle. Et, en pile membre de la population, commencez par quoi dans CPTO, que M. Sayo est traité de voleur, de voleur, et tout. Donc, il a essayé, bail attention à Gary Kony, qui selon lui-même, donc, a fait un travail colossal, mesdames, messieurs. Je remercie tout le monde, tous les partenaires, camarades du combat, le secrétaire de l'homme qui travaille pendant des années. Et on continue à vivre ça pour vivre par exemple ça. Parce que la démocratie, d'abord, c'est le respect de l'autre. C'est d'abord ça. C'est respecter les droits que chaque monde gagne au-delà des différences axées sur la race, la couleur d'opinion. Je vous donne par exemple de démocratie, comme le secteur des droits humains. Qui n'a pas touché par l'exemple, nous montrer qu'on peut faire bien, ouais, parce qu'on a respecté le droit de l'homme. Donc d'abord, merci à toute organisation droit de l'homme partenaire qui est votée. Moi, je vous remercie de nous. Parce que.
Parce qu'en fait, victoire, ça, c'est pour nous, comme organisation, comme secteur, qui dit qu'on peut faire autrement. Et tout le monde qui n'a pas voté pour moi, pour le CEO. Et nous, le CEO, population, c'est dans votre signe, parce que le processus pour former le conseil électoral est concerné d'abord la population. Il s'agit d'une question de droit de l'homme, parce que le droit de voter, le droit de se porter candidat, le droit de participer aux affaires publiques, ça fait partie des droits de l'homme. Donc, son exercice de droit d'homme qui commence à continuer. Donc, bataille à continuer parce qu'en fait, finalité bataille, ce n'est pas pour aller au conseil électoral, non. D'abord, c'est pour le secteur de droits humains, nous touchons par exemple, élever pour des contributions, nous n'avons pas qu'à faire pour construire une démocratie nette. Parce que, comme je l'ai dit au début, la démocratie, c'est pour les corollaires, les institutions. On ne peut pas concevoir la démocratie en dehors des institutions. Donc, en tant que militant droit de l'homme, nous l'avons dénoncé. Les dérives de nos élèves de la fin des droits de l'homme, mais nous avons également pour nous contribuer dans le processus pour reconstruire la démocratie. Donc je dis à nous une situation qui est extrêmement compliquée, parce que justement, l'effort qui a fait pour construire la démocratie n'est pas déposé sur les institutions. Je dis à nous une crise institutionnelle, une crise structurelle, etc. Donc je dis à nous prenons engagement, on a commencé par aider à l'état des institutions. Je dis nous, je vais parler de toutes ces organisations qui sont là. Je parle de toute l'organisation qui était dans le processus-là et qui n'est pas présent, je veux dire, pour raison ou pour l'autre, parce qu'au nom de la tolérance, au nom de la culture de la tolérance, du pluralisme d'idées, donc chacun va toujours prendre des options, même dans la mesure où l'option s'arrive de respecter les normes. Donc nous-mêmes, nous avons droit, chacun a droit, tout le monde a droit. Et c'est ça la démocratie. Donc on fait l'expérience-là à travers cette élection. Que nous remercions vraiment toute organisation. Nous remercions les organisateurs, nous remercions le CNH, nous remercions la PYGA parce que c'est eux deux qui travaillent avec les balles de ça. Et nous remercions vraiment tous les journalistes, les médias qui ont été pour la peine vraiment pour nous faire de journée ça, une journée exemplaire. Donc la bataille pour le respect des droits de l'homme, la bataille pour la démocratie, la lutte pour l'état de droit, ça continue. Parce qu'en Haïti, malheureusement, après le départ de la dictature des Duvaliers, nous pouvons vivre et construire une démocratie. Donc, son long combat que nous invitons pour nous encourager à deux mains. Donc, pendant la remercier l'organisation qui a voté pendant deux mois, elles se sont mobilisées, mais attention, son début. Parce que justement, l'offre, c'est pas le côté que nous battons bataille pour que les institutions soient capables de respecter.